Bonjour et bienvenue à Monday Night Raw in Miami, back in the United States, is the last draw before WrestleMania. It's what everybody's been waiting for. Welcome to Raw. We're live from Miami, Florida, where the fans have left the beach long enough to watch this epic WWE spectacle. Now you know what we've got in store, so don't change that channel. Du coup, on commence Monday Night Raw. What avec Mr. Cena. Here we go. Let's find out. Aujourd'hui, c'est le dernier Raw avant WrestleMania. Et du coup, aujourd'hui, c'est le dernier Raw avant mon match contre The Undertaker. Du coup, je suis venu ici pour appeler The Undertaker pour un final stare down before the big match, which will be the before main event of WrestleMania. Malheureusement, ce ne sera pas le main event, mais on va dire que les deux titres majeurs méritent quand même une place meilleur à WrestleMania. Undertaker, come out here. Here comes the Undertaker. The Phenom is here in Miami. We thought we might have here on time. You know this guy came prepared. Let's listen in as he addresses the WWE Universe. John Cena, déjà, bonjour à toi. Mais aussi, je te dirai au revoir dimanche soir. Undertaker, I have something to ask you. J'ai quelque chose à te proposer, Undertaker. C'est un challenge. Quel genre de challenge? Un challenge qui est, si je perds, je perds ma carrière. Si tu perds ta carrière, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Non, pas de carrière en jeu, ni rien. C'est le streak qui est en jeu. Si je te bats, c'est moi qui commencera un nouveau streak et qui devra le défendre à chaque WrestleMania. Et toi, tu deviendras comme quelqu'un d'autre, juste avoir des matchs à WrestleMania. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais de toute façon, on sait très bien que tu n'auras jamais de streak, même si tu... Enfin, même si tu me bats. On sait très bien que tu vas le perdre l'an d'après. Alors, quel intérêt? Il faut quand même essayer, Undertaker. Même si je perds mon streak l'année prochaine, j'aurai eu le mérite de l'avoir gagné au moins une seule fois. T'as ton match pour le streak, John Cena. En tout cas, moi je te dis que à WrestleMania, tu ne le gagneras pas ce streak. Je le garderai et je deviendrai un 24-1. Undertaker, 24-1, ça m'étonnerait que t'arrives à 24. En tout cas, moi je te dis que à WrestleMania, ça ne va pas se passer d'aucune façon que tu l'auras prévu. A lot of unspoken words communicated with those eyes. John Cena walks out of the ring
It was the final stare down between Cena and The Undertaker. On aura ce match à WrestleMania. Du coup, on continue ce Monday Night Raw après le final stare down entre l'Undertaker et John Cena. Alors, Cena vs Barbara WrestleMania, l'avant-avant main event. Jax. Donc on en a eu 4 dans un tag team la semaine dernière, on en aura 4 cette semaine. Les 4 autres. Carmella. Page, former Roman champion. Oh, oh, oh. Charlotte Flair. Du coup, il y a un truc que j'ai dit 24 et 1 parce que c'est WrestleMania 33 qu'on va faire. Du coup, normalement, il n'est pas encore allé contre Roman Reigns, il n'est pas encore 23 et 2. Je pense qu'on pourrait dire hein, 23 et 2, du coup 24 et 2. Et surtout, on pourrait penser que Roman Reigns a déjà fait. Alors, le logo WrestleMania 35 est sorti. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve vachement stylé. Je fais un pixel art sur Minecraft d'abord. Je le trouve super stylé, ça représente bien New York. Non, franchement, il est cool. Le rouge, WrestleMania rouge, ça fait depuis WrestleMania 31 que c'était vraiment rouge. Alors, 32, il y avait un peu. Voilà, c'était un peu un mix. C'était pas un rouge très très beau. Faut le dire, le rouge de WrestleMania 32, c'était pas un rouge très très beau. Oh, tag to Charlotte. Que le rouge de WrestleMania 31. WrestleMania 31, pour moi, c'est la reine de WrestleMania. Un peu cool. Ah, elle était cool. La 33, elle est géniale aussi. Hein. De toute façon, je préfère, hein, comme j'ai dit. Non, comme j'ai dit. Je l'ai dit tout seul. Je préfère les arènes en extérieur. Mais tu sentais bien, tu vois. En fait, ce que j'aime bien dans WrestleMania 31, en plus, c'est qu'il y avait beaucoup de jours. Et j'aime bien ça. Genre, les 2-3 derniers matchs dans la nuit, c'est parfait. Alors, WrestleMania 30. Bah, en fait, ce qui m'énerve dans les arènes en intérieur, enfin, en vrai, dans toutes, hein, mais c'est juste que là, Camping World Center, il n'y a pas vraiment de siège derrière, tu vois. Mais les arènes qui ont des trucs derrière, ils font pas des énormes scènes parce qu'ils veulent que les gens puissent voir derrière la scène. C'est ce qui s'est passé à WrestleMania 32. Ils ont fait juste un Minitron. Et les gens qui étaient derrière, comme ça, ils pouvaient voir. Je trouve ça con.
J'aime pas ça. Mais ça fait plus de gens en même temps. Mais ouais, je trouve pas ça super. Oh, Carmella. Oh, Paige. Alors, ouais, même WrestleMania 31, il n'y avait pas une grosse scène parce qu'il y avait derrière. Mais en vrai, celle de WrestleMania 31 était bien faite, tu vois. Un grand truc où ça dit WrestleMania par terre. Vraiment une très très longue scène. Avec un énorme mini-tron et un gros bouton play au milieu. Et ça dit WrestleMania aussi sur le dessus. C'est mieux que juste un mini-tron à 90 degrés. Enfin, il était nul, le mini-tron de WrestleMania 32. Je veux dire. Mais l'arène, par contre, sur AT&T Stadium, est très très grande. Ah, ça, c'est un stade, en fait. Sinon, MetLife Stadium, je pense qu'ils vont faire pareil. Une petite scène. Enfin, une petite scène. Non, ça va être très très long, comme d'hab, en fait. Toujours très long et pas très grand. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire à chaque fois, mettez des stades. Genre, ce serait bien qu'il y en ait un de Cincinnati, parce que Cincinnati, il y a un côté de l'arène où il y a presque pas de siège. Oh, oh, Carmel is cheating. C'est quoi, là? One. Cincinnati, le stade des Bengals, il y a un côté où il y a presque pas de siège. Ils auraient la place de mettre Page Turner. Ils auraient la place de mettre juste un truc énorme, tu vois. En WrestleMania 30, il avait une stage énorme. Les gros XXX, les panneaux de côté aussi, ils étaient énormes. Alors pourtant, ils auraient pu mettre des gens derrière, je pense. Hein. Alors, je sais pas pourquoi. Dans WrestleMania 29, c'était une longue stage, mais il y avait le pont, tu vois, c'était bien fait. Alors, WrestleMania 28, je sais pas. Je me rappelle plus. Je crois que c'était long également. Et 26. Ah, 26, elle était grande. Hein. 26, elle était très grande, la scène. Oh, DDT Tornado. 26, c'était une très 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 grande stage. Alors, pourtant, il aurait pu mettre derrière aussi. Donc, voilà. J'espère qu'ils vont faire une très belle stage pour WrestleMania 34. Je m'attends à quelque chose de beau, WrestleMania 35 encore plus. Donc voilà. Pour notre petite discussion sur WrestleMania 35, enfin WrestleMania en général du coup. Ça finit comme ça. Oh oh, Paige, go for the PTO! Carmella countered. En tout cas, au main event ce soir, Nakamura aura le droit de retourner contre Chris Jericho pour vraiment finir le one-on-one. Cette fois, Brock Lesnar enfin, je sais pas, mais en tout cas, il viendra pas de la scène pour intervenir parce qu'il sera ringside. Du côté de Nakamura, avec Triple H, et de l'autre côté ce sera le Rock et Rusev qui supporteront Chris Jericho ringside. Oh, sorry. She's given up playing by the rules. Oh, and a kick. Oh, what a shot. Nia Jax seems to have lost a step from Charlotte. Heard her partner Maggie a great tag team. We'll see what they're made of here. Well, it was just a few showing off here. Oh no, Nia Jax. Oh, might have went for the Samoan drop maybe, but oh, the power of Charlotte Flair. She is on fire. Oh, what a big boot. Uh-oh. Charlotte going top rope. Here we go. Went for the moonsault, Nia Jax. Escaped. In time, and here we go. Fireman's carry. Oh, world's strongest slam. There it is. And here comes Nia Jax. She's looking at it. Going for the Samoan drop.
gets it. Man. That looks like it hurts. Charlotte is in covers. It could be over here. Oh, Paige gets there in time. She's taking a while to get up here. I was just thinking the same thing, Michael. Oh. Nia Jax banging the head of Charlotte on the mat. Bottom line, she's got to get up. She can't win this match on her back. We're looking at complete domination here. We go. Oh no, Charlotte counters. And puts Nia Jax over the top rope. Charlotte goes out the ring. Fireman's carry. This well, here we go. Good, Corey. Couldn't agree more, Cole. This has got oh, snake eyes on the apron. She's taking a while to recover here, guys. At this point, she needs a new game plan. What she's been doing clearly isn't working. Oh, Nia Jax. Oh, and she's in the choke slam. Charlotte with a nice reversal. Un compte de 5, 6. She's playing with fire here. Yeah, she's gotta hurry up and get back in there. Can't put Nia Jax back in the ring. Compte de 8. Ah, je serai Charlotte, je rentrerai. The tag team scene here in WWE is undergoing a bit of a renaissance, and it's because of action like this. And Charlotte and Paige wins by count out. Charlotte and Paige wins by count out here, just banging the head of Nia Jax on the apron. A huge victory for the old PCB. Et du coup, en tout cas, je vous retrouve pour le main event. Du coup, c'est parti pour le main event de Monday Night Raw à Miami. Je pense que je vais me recorder SmackDown Live là. Ça me sera fait. Je vais pouvoir direct mettre le, faire le pre-show. Enfin, le kick-off show. Chris Jericho, accompagné de Rusev et du Rock. Alors Triple H qui suit dans le fait. Et voilà Nakamura, the Intercontinental Champion, avec Brock Lesnar et Triple H.
Du coup, voilà. Je vais vous parler un petit peu du programme des pay-per-views après WrestleMania. Ce sera pas exactement comme en vrai. Tous les pay-per-views qui avaient en vrai seront dedans. Mais il y aura des nouveaux pay-per-views parce que j'ai envie qu'il y ait des pay-per-views toutes les deux semaines. Donc voilà, j'ai ma liste des pay-per-views. Donc dans deux semaines après WrestleMania, ce sera Payback pour Monday Night Raw. Ensuite, 4 semaines après, ce sera Backlash pour SmackDown Live. 2 semaines après, ce sera Extreme Rules. Donc la deuxième semaine de mai, on va dire ça comme ça, enfin dans le jeu. Donc deuxième semaine d'avril, Payback. Deuxième, quatrième semaine d'avril, Backlash pour SmackDown. La deuxième semaine de mai, Extreme Rules pour Raw. Quatrième semaine de mai, Judgment Day pour SmackDown. Deuxième semaine de juin, Great Balls of Fire pour Raw. Quatrième semaine de juin, Money in the Bank pour SmackDown. Deuxième semaine de juillet, Unforgiven pour Raw. Et quatrième semaine de juillet, Battleground pour SmackDown. Et puis après, ce sera comme dans la vraie vie. Donc voilà le programme un peu des... Oh, quand même, bah là, comment est le programme des pay-per-view pour après WrestleMania. Le kick-off show à WrestleMania, donc il y a combien de matchs? Il faut qu'on revoie tous les matchs un petit peu parce que même moi je suis un peu perdu. Donc il y aura un kick-off, c'est sûr. Il y aura le Andre the Giant Memorial Battle Royal avec AJ Styles, Batista et plus. On va dire ça comme ça. Pas envie de gâcher toute la surprise non plus. Il y aura normalement le match pour le Intercontinental Championship. Oh, World of Jericho, locked in by the Universal Champion. He breaks out. Déjà, ça dépendra en fait du nombre de matchs. Oh, Codebreaker! Du nombre de matchs dans le main show. Cover by Jericho. Oh, kick out. Ça dépendra du match, du nombre de matchs qu'il y aura dans le vrai show. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas 3 promos, genre le moins de promos possible si possible, ce serait bien. Donc en tout cas, on va partir de la fin. Covered by Nakamura, kick out at one. Donc le vrai main event, ce sera le Fatal 4-Way. Je sais, c'est pas le vainqueur du Royal Rumble qui va dans le main event, mais c'est le main event de sa branche, c'est déjà pas mal. Donc le Fatal 4-Way entre The Rock, Triple H, Chris Jericho et Brock Lesnar pour le Universal Championship. Ce sera le dernier match. Avant ça, ce sera Drew McIntyre contre Randy Orton pour le Global Championship. Avant ça, ce sera Undertaker vs John Cena and No Holds Barred. Voilà. Et après, je sais pas vraiment dans quelle ordre le faire. Oh, here we go, Nakamura of the Inverted Exploder. Peut-être le United States Championship match. Oh, here we go, Nakamura. Here it is. Kinshasa covers. Oh, Rusev here to distract the ref. And he's costing Nakamura this one. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Ouh, non, non. Oh, moi, c'est le drop. Non. Avant ça, ce sera peut-être le ladder match. Fatal 4-Way pour le SmackDown Women's Championship. Voilà. Avant ça, ce sera le United States Championship match. Avant ça, le tag team, le SmackDown Tag Team Championship entre le Shield et Breezango. Here you go, Jericho goes up top. Oh, what a double axe handle. Avant le Raw Women's Championship match, sûrement en 8-pack challenge. Avant le Intercontinental Championship. Et avant le Walls of Jericho once again. Le Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ce sera sûrement exactement comment sera Nakamura breaks out. Donc sûrement le Raw Women's Championship qui sera
dans le kick-off show. Chris Jericho going for a code breaker. Code breaker, it's in. Enfin, je verrai, ça peut changer encore. Covers. Triple H is not doing anything. Nor Brock Lesnar. Oh, another kick out from the Intercontinental Champion. Parce qu'en fait, j'ai envie que Finn Balor et que Ty Dillinger soient dans le main show. Mais j'ai pas envie que ce soit deux Raw dans le kick-off. Donc peut-être que je mettrai le Shield contre Breezango dans le kick-off. Voilà. Et encore, ça dépend du nombre de matchs dans le main show. Cover by Nakamura. Kick out. Yeah, it's gonna take more than that. Y2J being outclassed right now. Looks to me like he just hit a wall. Yeah, I don't know, Cole. We've seen Nakamura's gotten on the second rope. From him tonight, and now it seems to me like he's the one that's finished. Dolph Ziggler. This one could go either way, guys. It might just come down to which superstar is the next to make a mistake. Oh, here goes Snapmare. Can't wake up from that one. Oh, Jericho with the reversal. Oh, one for the Enziguri. Nakamura for the knee. He misses on that one. Were his eyes even open? Uh-oh. Nakamura is getting Jericho up. Here it is. Into the fireman's carry. Oh, wow, an avalanche. Looks like Falcon Arrow, kind of. Oh, torturing the arms of Jericho is Nakamura. This superstar is so happy with this week's power rankings. I'm told they've been framed. Uh-oh, no, Jericho reversed it. He can turn it on in a hurry. Yeah, oh, went for the walls. Nakamura. Escaped. Around. Oh, and the knee. Cover. Nakamura might have it right here. Oh, Jericho rope break. And the ref noticed it. Chris Jericho doing a great job of turning that around. Go, Jericho. No, Nakamura. Oh, ferocious. Looks like someone hit the repeat button for this move. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up, and he's got to get up now. Oh, Nakamura, second rope. Here it comes. He's got it. Here it is. Might be going for that second rope, Kinshasa. Yes, got it. Second rope, Kinshasa. Here we go. In the corner, Nakamura. Oh, Jericho with a counter. Wow. Covers. Oh, Nakamura kicked out. That was almost over here. What a counter from Jericho, though. Oh, Nakamura. Covers. Kick out. By the Universal Champion. Oh, Jericho with an uppercut. Code breaker! Wow. It's over! Covers! Just as there's the pan. Ken is upon a kick out. Two! He's Jericho, no! Nakamura kicked out of third. Code breaker. What about that? No way! Jose! Nope. Nakamura kicked out again! Oh, and a backstabber from Nakamura. WWE locker room here. This might be the end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet. What a kick out from Shinsuke. He's looking at. And another second rope, Kinshasa. Wow. This one's over, guys. Shinsuke Nakamura is rolling now. Chris Jericho counter. Wasn't ready, but Nakamura counters again.
and covers. Might be over here. Oh, Jericho kicked out. I'm just as shocked as everyone else, Cole. Uh-oh. Oh, with an arm stomp. Oh, one for the key shots to Nakamura, or Jericho escaped again. Perfectly placed elbow. Nakamura able to avoid damage there. Oh, Nakamura. With a single leg Boston Crab. Nice main event here in Miami. Wow, he escapes it. Last main event, last Raw main event before WrestleMania. 33. Uh-oh, Jericho. Uh-oh. Uh-oh. Don't do it. Don't do it, Chris. At some point, the referee may want to think about stopping this one before somebody gets seriously injured. Suicide dive by Chris Jericho. Get him back in the ring and cover him, Chris. Uh-oh, Brock Lesnar. There may be no coming back from this incredible beat. He's away and swinging neck breaker from Chris. Oh. Côte de Troyes. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. He wants puts Nakamura in the ring. Oh, bell clap. Got him good with the underhand. Here we go, a slam. Cover by Jericho. Might be over. Yes, Jericho wins it. And Jericho wins the last match on Raw before WrestleMania. It was the last Raw on the road to WrestleMania. En tout cas, j'espère que ce Raw vous aura plu. C'était un Raw mouvementé. N'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire, de partager surtout et de vous abonner. Ça ferait énormément plaisir. Je vous retrouve pour SmackDown Live. J'espère que vous avez enjoyé ce Raw. On a bientôt fait un an complet dans le jeu. Allez. Ciao. The Universal Champion comes out victorious over the Intercontinental Champion.